Oui, ça, ça l'a beaucoup, beaucoup influencé. Je me considère pas comme une icône, pas du tout. Mais le fait d'être blonde, surtout dans le show business, comme notre, les relations envers les gens, je trouve que ça l'affecte beaucoup de la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, les blondes, si on compare les blondes et les brunettes, ben, on a déjà une idée fixe de fait, un préjugé que si on voit une blonde, ben, on se dit ben, elle n'est pas aussi sérieuse, elle n'a peut-être pas autant de talent, c'est juste un beau visage avec les cheveux blonds. Qu'une brunette, on va déjà la prendre, on va la prendre plus au sérieux. Donc, je suis en train de lire la biographie de Marilyn Monroe. Puis elle, elle a eu un début de carrière très difficile à cause de sa vie familiale et tout ça, mais aussi à cause de son image physique. C'est une actrice très talentueuse, mais toute sa carrière, les gens n'ont pas voulu reconnaître ses talents d'actrice, mais ont voulu reconnaître son sex symbol. C'est toujours sur son physique. Puis je peux dire que si elle aurait été brunette, ça aurait fait une différence. J'en avais plusieurs sur ma liste. Il y en a que j'aurais voulu peindre aussi, mais qu'à un moment donné, j'aurais jamais fini ma collection. Puis j'étais vraiment avec plus celle avec qui j'ai un lien, ben pas un lien, mais quelque chose en commun, quelque chose qui m'attirait le plus. Comme Marilyn Monroe, il y avait certains faits dans sa vie d'enfance qui sont venus me chercher, des choses qu'elle a vécues que j'ai peut-être pas nécessairement vécues identiquement, mais c'était similaire ou que je peux comme me référer à ça. Elle Key Summer, c'était une actrice et une peintre, et c'est mes deux plus grandes passions dans ma vie, donc j'ai trouvé un lien. Puis moi, j'ai toujours trouvé que incarner d'autres personnages, ça m'aidait à libérer de qui j'étais d'une certaine façon. Puis ça me permet d'exprimer certaines choses que j'ai besoin de laisser sortir, que je peux peut-être pas nécessairement en tant qu'Elisabetta dans la vie de tous les jours. Donc là, j'ai fait mon premier long métrage qui s'appelle My Name is Sandy. J'ai incarné le rôle de Sandy, qui est le rôle d'une prostituée. En jouant Sandy, c'est une prostituée, c'est loin d'être qui je suis. Mais à travers elle, j'ai pu laisser sortir certaines émotions que je peux pas en tant que normale, comme au moins j'ai pu crier, j'ai pu pleurer, puis j'ai pu comme me défouler de certaines choses dans ma vie à travers elle, puis ça a été utile pour ce rôle-là aussi. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'être actrice. Sur mon site web, elisabetta.ca, je vais tout indiquer les informations, où est-ce qu'ils vont être placés pour que les gens puissent aller voir, s'ils sont intéressés à les acheter. Donc, toute l'information va être sur mon site web, elisabetta.ca. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut acheter...